beaucoup d'entre vous ici, je parle anglais, mais pas si bien que ça, tant que je n'ai pas vidé une demi-bouteille de brandy. Et comme le bar ouvrira qu'à l'issue de cette cérémonie, je vous demande d'accueillir Sarah, notre traductrice pour les moins bilingues d'entre vous. Reasonably well, but he'd rather have me as your translator this evening. Bienvenue à toutes et à tous à la cérémonie d'ouverture de cette 28e édition du film britannique de Dinard. Sans plus attendre, j'appelle Monsieur le maire de Dinard, Monsieur Jean-Claude Maé. Welcome to the 28th edition of Celle qui nous a séduit, conquis, fasciné dans nombre de ses rôles. 52 films de cinéma. 22 à la télévision. Celle dont nous allons admirer le travail de mise en scène dans 9 films, sans parler de ses nombreux rôles au théâtre. J'ai nommé Nicole Garcia. Il y a le maire de Cannes qui vient d'appeler, il n'est pas content du tout. C'est pas grave, voilà. Par où je vais commencer? Sérieusement, à chaque fois que je rencontre un journaliste ou même un cinéphile, on me pose toujours la même question. Pourquoi Dinard aime tant les Britanniques et leur cinéma? Each time I meet a journalist, he always asks me the same question. Why does Dinard love the British and their films so much? Cela sous-entend, the subtext is always, pourquoi nous aimons tant les Anglais alors qu'ils ont plein de défauts? Ils sont terriblement snobs, un flegme insupportable. Ils aiment les Beatles, ce qui prouve qu'ils sont quand même humains. Ils s'excusent tout le temps. Chez eux, il pleut tous les jours. Why do we love the English when they have so many faults? They are awful snobs, pretend to keep calm and carry on, love the Beatles, which proves they are human after all, and are always saying sorry. The top of it always rains when they wear the leg. Mais ce sont des clichés, vous me direz. Clichés, you tell me. D'accord. Mais ils ont des dirigeants qui portent des chapeaux ridicules. Et ça, c'est pas un cliché. They really do have leaders with ridiculous hats. And that is no cliché. Alors qu'en France, c'est assez différent. Vous allez voir pourquoi. Ça s'appelle la finesse à la française. Leurs acteurs sont tous très beaux ou un peu moins beaux. Their actors are very handsome and occasionally not so handsome. While here in France, we always have handsome actors chez nous. Ils sont tous beaux. Alors, ils ont inventé le sport le plus ennuyeux au monde. They invented the most boring sport in the world. The cricket. Comment on peut aimer le cricket? Alors que nous, les Bretons, on est fiers d'avoir ça. Ça s'appelle le palais. J'ai jamais compris comment, en fait, on joue au palais. Jamais. He's never understood how they play the game, the Breton game, the palais, which is far more exciting than cricket, isn't it? Of course. Le costume de leurs policiers est un peu bizarre. Their police uniforms are strange. Alors que le policier français, ça s'appelle effectivement de la finesse. Ils boivent tout le temps du thé. They drink tea, always. Nous, je ne pense pas qu'on peut parler de thé. We certainly do not drink tea. D'ailleurs, entre deux gorgées de thé, il répète sans arrêt le mot.
que je ne vais pas prononcer, évidemment. Alors que nous, ici, quand on s'énerve pas beaucoup, nous les Français, on répète le mot God heavens. La Grande-Bretagne est le seul pays qui veut sortir de l'Europe alors qu'ils n'y sont jamais entrés. Great Britain is the only country that wants to leave Europe even though it's never actually been physically part of it. Mais est-ce que vous savez sérieusement pourquoi nous aimons ces gens-là? Pourquoi? Parce qu'ils ont les acteurs et les réalisateurs les plus merveilleux au monde. But do you really want to know why we love them so much? Because they have the most wonderful directors and actors in the world. Il y en a trois ici parmi nous et ils sont là. Merci de faire un triomphe. Please welcome un des plus grands, et je pèse mes mots, acteurs du monde. Ça fait 4 ans que je cours derrière ce monsieur et ça y est, il est arrivé, il est là. C'est monsieur Jim Broadbent. À le connaître, puisque l'année dernière il était effectivement membre de jury, un acteur et réalisateur, il s'appelle Phil Davis. Un réalisateur qui est venu au moins 6 fois présenter quasiment tous ses films que nous aimons plus particulièrement, Chris Smith. Quel beau tableau! I'd just like to say what an honor it is to be honored in my very favorite film festival. This is the 5th time I've been here, and it's a great honor, and thank you very much. C'est un grand honneur d'être ici. C'est la 5e fois que vous m'avez invité. Donc, comme j'ai dit, c'est un grand honneur d'être parmi vous ce soir. This is my second time in Nina, and I hope it's not the last, because it is a wonderful, wonderful film festival, and a great welcome, and it's a really charming and friendly festival to be part of, and I'm absolutely delighted and hope to come back again soon. I'd like to come back every year, like Phil does. C'est la deuxième fois que je suis ici à Nina. Je trouve que c'est un festival plein de charme. Et j'espère, comme Phil, d'être l'invité toutes les années. I've actually been here 6 times or 7 times now. You invite me back every year. I've even brought my wife this year as well. So hopefully we're going to buy a house here. C'est la 7e fois que je suis à Dinard. On l'invite chaque année. Cette année, il a même il a sa femme avec lui. Il espère acheter une maison ici à Dinard. We'll save on the expensive hotel bill as well. Il n'y aura pas de facture trop coûteuse à l'hôtel. And it's, for me, it's a great honor to be welcome at this and also to stand on the stage with these 2 amazing actors, so thank you very much. C'est un grand honneur d'être votre invité et aussi de partager le scène avec ces 2 grands acteurs aussi. Que vous pourrez rencontrer tous les 3 à partir de demain à l'issue donc des projections de leur film pour un débat, une Q&A, c'est génial. Voilà. C'est tout le plaisir d'appeler votre jury. I remind you that this is now the 2nd year that we have the short film competition, Shortcuts. There are 11 films that are being shown.
and they cover an eclectic range of different subjects, from drama, comedy, documentary, thriller, the whole range. So we now invite Phil Davis to invite his jury on stage. Thank you very much. I'm very happy to be the president of the Shorts jury. My fellow jurors are Stephanie Chaumont. Justine Happy, that's what we're talking about. Manon Ardisson, Lucienne Nombre du Jury, Manon Ardisson, and my old friend Michael Smiley. Avec nous, bien sûr. Please remain with us. Et je rappelle qu'en ce qui concerne la compétition des longs métrages, il y aura plusieurs prix remis à la série d'édition de longs métrages. Please. Nico Garcia. Nico Garcia. Good evening. Vraiment, je veux seulement vous dire, je vais d'abord appeler le jury. Voilà, j'ai la chance d'être accompagnée par un jury très brillant. So, first of all, the first thing I want to do is invite the jury to the stage. We have a brilliant jury this year. Voilà, parce que voilà, c'est une petite troupe qui va regarder ce festival, cette élection. Et nous sommes tous très heureux d'être là. Je vais appeler Michael Ryan. So it's a little proof of la très belle immense poésie. The very lovely immense poésie. L'écrivain et scénariste Philippe Besson. On est très heureux d'être ici à Lima pour ce festival du cinéma britannique que nous aimons tous beaucoup. Et voilà, on attend une sélection formidable, on a commencé à voir, c'est-à-dire une sélection formidable. So we are all here at this wonderful British festival, much loved by all. I'm sure we're going to all have a wonderful festival for the next 2 days.